c'est un truc de fou en fait. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça en fait, c'est tellement dingue. J'ai tellement visualisé ce moment, j'ai tellement travaillé dur pour y arriver pendant un an que j'arrive même pas à croire que ça s'est vraiment produit quoi. S'il y a un truc où j'ai jamais douté, c'est que j'allais le faire. Physiquement, que j'allais être prête et que je ferais tout ce qu'il faut pour y arriver. Sur la corde, c'est moi contre moi. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas une autre concurrente qui peut être meilleure. Là, c'était moi contre moi. Donc on fait ce qu'il faut pour y arriver. La Tour Eiffel, c'est le symbole de la France, quoi. En plus, année des Jeux, Paris 2024, etc. Mais c'est aussi, pour moi, le côté, j'aimais bien aussi le côté de Gustave Eiffel, de rêver à des choses grandes, des choses qui paraissent impossibles, mais de les rendre possibles. Et pour moi, d'inspirer les gens à croire en leurs rêves, c'était important.